D'abord, Dom Durer est une histoire citée qui a été racontée par Jésus. Et donc, lorsque j'ai lu l'histoire, j'étais concerné même dans le rôle du fils. Parce que dans le passé, j'ai vécu aussi l'alcoolisme, le tabagisme, et j'ai vécu aussi la débauche et une vie désordonnée. Et j'ai compris tout de suite à travers l'histoire que ma vie était comme celle du fils prodigue. J'ai joué le rôle du fils prodigue avec un grand plaisir. Parce que c'est un rôle vraiment qui éveille les consciences. Parce que dans ce monde où on est, les jeunes commencent à... Ils ne savent plus où mettre les pieds. Donc c'était instructif et c'est un rôle à méditer. Et donc, j'ai compris que Dieu voulait que je lui donne ma vie, que je change de vie, que je sois beaucoup plus attentif à ce Dieu-là qui est un Père qui peut pardonner et qui veut toujours recevoir les gens qui reviennent à lui. Quand j'avais le sachet en train de manger, ça, c'est quelque chose qui... C'était un message très puissant à envoyer aux autres, aux gens qui regardent le truc. Parce que c'est quelque chose de nos jours, les gens ne sont pas conscients de cela. Parce que si tu as l'argent, tu as le pouvoir. Mais si tu n'as plus d'argent, tu ne vois personne. Donc tu es seul, tu te sens comme une seule personne dans le monde. Donc c'était très fort, c'était quelque chose de très fort, ça m'a beaucoup touché. J'ai compris que Dieu, malgré le fait que le fils lui a quitté, Dieu a toujours ouvert les portes de sa maison. Il ne nous juge pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos iniquités. Il est un Père pardonnable, qui pardonne, qui aime, qui n'est pas toujours en colère contre les hommes. Mais j'ai vu que ce Dieu-là, son amour est immesurable, son amour est très grand. Et c'est ça qui m'a touché dans l'histoire. Et c'est ça qui m'a vraiment donné la conviction de composer le chant et de le chanter. Et vraiment, pour moi, c'est ça qui m'a tiqué et ça m'a changé quelque part. Sucker by, my son of life.